bienvenue à Narbonne pour ce week-end de la Coupe de France de ring français. Deux jours de compétition pour déterminer qui sera le vainqueur 2018. Pour comprendre le bon déroulement de la compétition, avant de revenir sur les résultats, je vous propose de regarder en images les différents exercices dans notre sujet mag. Donc le ring, c'est une discipline qui est composée de trois catégories d'exercices différents. La première catégorie d'exercices, ce sont des sauts qui vont éprouver l'aptitude du chien à franchir des obstacles. Après, il y a de l'obéissance pure, donc une suite en laisse, une suite muselée. Il y a des refus d'appât, une minute d'absence qui est couchée ou assise. Ça varie, c'est un tirage au sort. Après, pour la partie mordant. C'est un mordant sportif, c'est-à-dire qui va évaluer le courage, la vigilance et la force mentale du chien. Donc il y a des attaques, une attaque de lancer au bâton, une attaque de fuyante avec le bâton, une attaque de garde ferme qui se fait actuellement là. Donc la garde ferme, c'est un exercice avec un revolver. C'est que le chien est parti à l'attaque, on doit l'esquiver et après il y a des fuites. Il y a la recherche également, donc la recherche, le chien il doit chercher l'homme d'attaque qui est caché dans une cache et après on doit prendre des mètres pour pénaliser le chien. Après, c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur. Il faut être sérieux. Quand on veut se lancer dans le ring français, c'est une discipline qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Tout le temps avant, il y a un échauffement, comme un sportif de très haut niveau. Tout le temps, il y a un échauffement. Comme pour nous, quand on met le costume, avant de mettre le costume, on s'échauffe. C'est une obligation pour échauffer tous les muscles. C'est du travail de tous les jours. Et en fait, après, c'est une histoire d'équipe aussi. C'est une complicité entre le maître et le chien. Vous voyez, tous les chiens, ils sont là, ils regardent leur maître et ils travaillent pour le maître. Ce matin, on avait Ajoan Véry qui s'est blessé. Il a eu un claquage au muscle. Sûrement, c'est dû à l'effort continu, puisque bon, là, ici, ils sont à la finale, mais ça fait plus de 2 mois et demi qu'ils font des concours, qui enchaînent des concours tous les week-ends pour pouvoir qualifier jusqu'ici. Et sûrement que bon, avec la fatigue, ça arrive des fois. Donc, il n'a pas pu continuer. Donc, c'est le tronc d'attaque qui le remplace aujourd'hui. Je m'appelle Fabrice Pouzins. Mon chien, c'est Isawak. Voilà, j'étais champion de France avec lui en 2016. J'ai vu Iroquois à Oliver qui a fait un parcours magnifique. 388, c'était génial. J'ai eu envie de faire mieux que lui. Je savais que ça allait être très dur et c'était pas possible en fait. Le boulot des hommes d'attaque, c'était très bien. Axel Villain, génial, super fort. Bah, j'aime la difficulté, le fait que quand on rentre sur le terrain, on ne sait pas si on va gagner ou si on va perdre. L'adrénaline que ça m'apporte. Ouais, c'est beaucoup de travail, beaucoup de... Penser qu'à ça, faire que ça, toujours brancher chien. Et voilà quoi.